juste un peu secoué. Meryl, tu peux bouger? Inutile, je suis coincé. Qu'est-il arrivé à l'équipe? Tu le vois pas non plus? Liquide est mort. Bon sang. Snake! Soit. Colonel, tu vas bien? Colonel, que s'est-il passé? Le secrétaire à la défense vient de partir à la retraite. Brusquement. Arrêté? J'ai pu entrer en contact avec le président. Metal Gear, l'exercice, tout ça. Le secrétaire à la défense n'agissait que de son propre chef. Tu parles d'un chef. Et qu'est-il arrivé à l'attaque aérienne et au bombardement? Les ordres ont été annulés. Les F-117 et les B-2 Spirits viennent de retourner à leur base. J'ai de nouveau toute autorité sur cette opération. Je vois. Washington n'est pas bête au point de lancer des bombes atomiques pour couvrir quelques secrets. Moi, j'en suis pas si sûr. En tout cas, le danger est passé. Merci, Snake. Colonel, tu peux respirer. Meryl va bien. C'est vrai? Merci, Snake. Merci. Je suis désolé de t'avoir caché tant de choses. C'est pas grave, colonel. Snake, je ne suis plus colonel. Ah ouais, c'est vrai. J'ai un cadeau pour toi. Près de toi, il y a une snowmobile. Mayling l'a détectée sur les photos satellites. Les glaciers ne bougent pas trop à cette époque de l'année et tu pourras l'utiliser pour sortir de là. Les types de la DIA et de la NSA ne s'attendait sûrement pas à t'en voir sortir vivant. Remarque, moi non plus. J'ai intérêt à disparaître. C'est déjà fait. Vous êtes officiellement morts tous les deux, noyés dans l'océan. Il ne s'en est fallu que d'un cheveu. Il y a aussi un hélicoptère qui vous attend sur l'île Fox. Le docteur Alemric doit se trouver quelque part sur la base. Fais-le ramener. C'est d'accord. Je m'en occupe. Ok, Roy. Est-ce que ça va aller? T'inquiète pas. J'ai une police d'assurance. Une copie de toutes les données de Mayling. Alors toi, Mayling et moi, on n'a rien à craindre. L'énergie contenue dans ces nanomachines va bientôt s'épuiser. Ils ne pourront plus nous suivre. Je suppose qu'on ne se verra plus. Mais si... viendra bien te rendre visite. Mais j'espère bien. Roy, dis-moi une chose. Quoi? À propos de Fox 9. Meryl n'a rien à craindre. Elle ne faisait pas partie du programme. Et moi? Si la tue liquide? Naomi a dit qu'elle voulait en parler avec toi face à face. Où est-elle? Ne t'inquiète pas. En ce moment, elle est avec Mayling. Je te passe Naomi. Snake, c'est moi. Naomi. J'ai appris. Pour mon frère. Je suis désolé. Mais il voulait vous faire passer un dernier message. Ah? Il m'a dit de vous dire de l'oublier et de commencer à vivre votre propre vie. Franky a dit ça? Ouais. Il a dit aussi qu'il vous aimerait toujours. Naomi, sachez que votre frère vous a sauvé. Vous, moi et le monde entier. Il s'est battu avec chaque grain d'énergie qu'il avait. Peut-être. Peut-être qu'il a enfin trouvé la paix.
Il n'était plus vraiment mon frère. Depuis qu'il s'était battu avec vous à Zanzibar, il n'était plus qu'un fantôme à la recherche d'un lieu pour mourir. Naomi, Liquid a succombé à Fox Dye. Est-ce que moi aussi je vais en mourir? Ça dépend de vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Chacun de nous meurt quand il est temps. Ouais, et c'est quand mon temps? Vous décidez de ce que vous faites pendant ce laps de temps. Vivez, Snake. C'est tout ce que je voulais dire.